À Thenon, le magasin d'encadrement au talent caché, place Jean Jaurès devant la mairie, change de main. Avant de nous présenter son successeur, Agnès Lagandogne tient à exprimer quelques remerciements. J'aimerais remercier, bon, avec le Covid, on ne peut pas faire comme on aurait souhaité. Et je voulais remercier toute ma clientèle qui m'a fait travailler pendant 16 ans et qui m'a fait confiance. Je voudrais remercier particulièrement Dominique Bousquet, Nicole Ravida et Jean-Luc Blanchard et les conseillers, parce qu'on a toujours travaillé ensemble depuis autant d'années et ils ont toujours été là pour nous. Ma famille, qui m'a toujours soutenue, toute l'équipe de Tenons les Arts et des artistes, parce qu'on a fait vraiment une famille. Et puis je voulais faire un clin d'œil aussi à la gendarmerie de Tenons, parce que en tant que commerçante, c'est rassurant de voir que notre gendarmerie passe régulièrement la porte de nos commerces pour voir si tout va bien, pour nous prévenir s'il y a des petites choses qui se passent. Et effectivement, je pense qu'il faut les remercier parce qu'ils font vraiment un super travail, ils sont toujours de très bons conseils. Maintenant, j'ai à cœur de laisser ma boutique, c'est un petit peu difficile, 16 ans, c'est pas rien. Mais je suis vraiment heureuse de passer le flambeau à Chantal Gossy et à Anaïs Gossy, qui sont des amies. Je sais que mes clients vont être chouchoutés, qu'ils peuvent leur faire autant confiance qu'ils m'ont fait confiance à moi. Mais bon, je suis quand même très contente que la boutique ne ferme pas et qu'elle va perdurer. En plus, Chantal et Anaïs vont rapporter un plus. On sait que vous donnez déjà des cours de peinture. Tout à fait. Moi, je fais de la peinture à l'huile. Je fais des tableaux. Moi, c'est tout le domaine de l'art qui m'intéresse, dont l'encadrement aussi, puisque quand on fait des tableaux, c'est vrai que la peinture, ça la met en valeur. Donc voilà, donc je voulais développer ici l'encadrement et puis proposer aussi des tableaux à la demande. C'est-à-dire que je suis portraitiste, j'ai été copiste au Louvre pendant des années, donc le portrait c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et donc je proposerai des tableaux à la demande. Vous voulez faire partager votre expérience. Et aussi mon expérience bien sûr, et en même temps on va ramener des beaux-arts ici. Voilà, donc les beaux-arts, on va les installer, tubes, peinture, boîte de couleurs, aquarelles, pastels aussi. Donc voilà, pour tous ceux qui s'intéressent, ici, il y aura de quoi faire. Anaïs, elle va développer tout ce qui est décoration, homestaging, et puis restauration de petits meubles, et puis de remettre... un peu au goût du jour, les choses un peu passées par le temps. Showroom, voilà, qui sera là pour présenter un petit peu tout ce qu'elle sait faire.